Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir à la Fédération Compagnie Île-de-France à l'occasion du 25e anniversaire de son installation à Saint-Thibault-des-Vignes. Nous allons vous faire découvrir le quotidien des apprentis, des stagiaires et des itinérants. Suivez-moi. Effectivement, depuis toujours et à travers son histoire, le compagnonnage a été le garant de l'excellence et du savoir-faire. Et aujourd'hui encore, il est tourné vers l'avenir. N'oublions pas qu'à leur époque, la Tour Eiffel et les cathédrales étaient des projets avant-gardistes. À travers le nouveau projet associatif CAP 2020, adopté par tous les compagnons au niveau national, les valeurs du compagnonnage sont réaffirmées. Notre vision, des hommes libres par le métier. Notre mission, développer des ambitions. Nos valeurs, transmission, excellence, respect et solidarité. Après ce petit retour dans le passé des compagnons, dans l'histoire d'aujourd'hui et dans celle de demain, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2018. Devenu trop à l'étroit, il a fallu envisager de déménager l'ensemble des ateliers, ou partiellement ou totalement, sur d'autres lieux. Entre les transactions immobilières, foncières, etc., ceci a pris quand même pas mal de temps. Par les connaissances de René Rousseau du terrain du 77 et de l'environnement, nous avions en vue une ancienne ferme qui était composée de deux vieux grands bâtiments et d'un bâtiment central voué à la démolition. Donc 1992, on signe un bail d'occupation, enfin un achat plus exactement, pour entreprendre les travaux d'ensemble qui avaient été finalisés par un cabinet d'architectes, mais qui étaient d'une envergure difficilement finançable. Donc après beaucoup de recherches et de négociations avec le vendeur, nous avons décidé de poursuivre la construction de ces bâtiments et la rénovation, surtout sur plusieurs années, ce qui était plus envisageable concernant la mise de fonds nécessaire à cette construction. Donc 1992, signature, 1993, début des travaux dans un des bâtiments qui était le moins atteint par la démolition ou la vétusté. Et après recherche d'entreprises de gros œuvres, nous avons décidé de lancer l'opération et de commencer les murs en béton, les planchers en béton, la préservation de la charpente existante et sa restauration. Et la Fédération Compagnonique, forte de ces stages que nous avions dans le gros œuvre, dans la charpente, dans la menuiserie, a décidé de réaliser elle-même tout le second œuvre. Je travaillais à Royan comme charpentier et j'ai rencontré un compagnon qui m'a indiqué que pour me perfectionner, je devais aller chez les compagnons, j'avais des cours du soir. Et je suis arrivé au siège de Lyon, 2 rue Nérard, et j'ai été accueilli par la mère, notre mère Duguay, qui était là et qui m'a dit, la coterie, on ne vous attendait pas, on n'était pas prévenu, parce qu'on n'a pas beaucoup de travail, c'était en 1948. Et elle m'a dit, mais vous êtes chez les compagnons, vous êtes logés, vous êtes nourris, et vous nous paierez quand vous pourrez, mais vous nous aidez à vous chercher du travail. Alors là, j'ai compris que le compagnonnage avait une âme. Et je me suis pris au jeu. Le hasard a voulu que dans ma petite Seine-et-Marne, qui est quand même un grand département, je passais tous les jours devant un bâtiment que je connaissais bien et qui était une ferme abandonnée. J'ai pensé que pour nous c'était le rêve. Et là je me suis adressé à la municipalité, je me suis adressé à Epamarne qui gérait l'opération et ils ont accepté de nous céder ce terrain-là sur lequel aujourd'hui
l'école de Saint-Thibault est bâtie. Quoi. Voilà. Ce qui fait que ça m'a impliqué complètement dans le compagnonnage. Habitant toujours la région de Seine-et-Marne, je suis fier de passer devant le bâtiment de Saint-Thibault, où je constate une évolution permanente. Et je côtoie, parce que j'ai eu une entreprise, je côtoie les jeunes qui vont à l'école. Et puis je participe un peu à leur évolution. Voilà. La première fois que j'ai vu des compagnons, ils me paraissaient un petit peu difficiles d'approche. Pourquoi ? Ben parce qu'ils en savaient beaucoup plus que moi, parce qu'ils étaient beaucoup plus imprégnés par les problèmes de la vie de tous les jours que moi qui souhaitais faire aller vite dans ce que j'avais à faire et peut-être griller les étapes. Alors il ne faut pas griller les étapes, il faut un certain temps pour apprendre. Et chez les compagnons, nous avons une définition de la notion du métier qui veut qu'on passe dans toutes les phases de la profession. Par exemple, un charpentier, puisque je parle d'un charpentier, je suis charpentier. Un charpentier peut faire différentes spécialités tout au long de sa mission professionnelle. Il peut faire des charpentes d'un pavillon, tout simple. Mais il peut faire aussi de l'escalier, il peut faire les parquets, il peut aussi devenir chef de chantier, chef de travaux, et avoir à ce moment-là à guider, à commander sur les chantiers. Et encore faut-il qu'il connaisse les règles, les lois sociales, les lois du travail, car il faut bien entendu vivre avec tout le monde. Mais le compagnonnage n'a quand même jamais été un mouvement de masse. Pourquoi n'a-t-il pas été un mouvement de masse ? Eh bien parce que tout le monde ne peut pas être disponible, et tout le monde ne veut pas forcément être disponible. Mais sachez quand même que chez les compagnons, vous avez quand même beaucoup de bonne volonté pour aider les jeunes. Tous les professeurs qui sont dans nos centres, par exemple, eh bien, sont très débrouillés. Vous en ferez la preuve. Jusqu'en bas. Donc, je suis Christophe Bourgoin, je suis compagnon couvreur à la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment et je suis formateur à Saint-Thibault-des-Vignes, ça va faire 12 ans, 12 années. Voilà. Pas trop en mettre. Et là, il faut bien faire fondre. Tu laisses ton fer et tu découpes. Puis ce qui vient par-dessus, on coupe à l'horizontale. Ça permet de replier ça et de remettre ça. Donc ici, nous formons donc des apprentis, des adultes, aussi des formations pour des entreprises. Nous préparons donc des jeunes à des diplômes CAP, mention complémentaire Zingri et BP. Voilà, après, il faudra que vous fassiez ça. Ouais, il descend. Ouais. Avec les différentes étapes. Même les faire pareil. Bah sinon, il faut l'aider. Attends. Donc là, ils sont en train donc de souder donc une gouttière du miron. Donc ils s'entraînent à la soudure de jonction. Donc il y a des étapes de pointage. Deuxième étape, c'est l'exécution de la soudure lisse. Là, pour la solidité. Et la troisième étape, c'est de charger. Et une fois que c'est chargé, donc on a mis un apport de soudure, après ils réalisent les côtes.
pour les Olympiades, le temps alloué est de 4h30 pour faire ce sujet. Tu feras surtout attention, c'est en bois de boue, bien prendre avec de travers avec le rabot pour éviter les éclats en sortie. Quoi. Bois de boue en premier et les champs après. Quoi. Je suis Régis Raymond, compagnon menuisier et formateur menuisier à la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment. J'ai été apprenti ici il y a 7 ans et je suis parti sur mon tour de France du coup pendant 7 ans. Et depuis le mois de septembre, j'ai été embauché en tant que formateur pour retransmettre ce qu'on m'a transmis durant ces 7 années précédentes. Croisillon à 3 pièces. Ça reste simplissime, tu as 3 pièces de bois, que des entailles à la main, aucune machine, sauf pour le débit et le corroyage bien sûr, et avec une plan éclatée par le logiciel CADWORK. Mais le problème, il ne faut pas se fier au plan, des erreurs sont dedans, il ne faut pas que tailler comme ça. Donc je vais vouloir que tu traces une épure. Je suis très heureux de participer aux 25 ans de Saint-Thibault-les-Vignes, qui a su m'emmener de l'état jeune sorti du collège à menuisier formateur à l'heure d'aujourd'hui. Alors je choisis le lycée des compagnons du Tour de France parce que j'ai choisi le métier de la couverture. Donc chez moi, à côté de chez moi, il n'y a pas un lycée ou une entreprise pour faire de la couverture. Et ce métier me plaît beaucoup, donc j'ai préféré prendre un lycée bien formé avec un grand nom comme les compagnons du Tour de France pour avoir un métier concret pour mon avenir. Pareil, j'ai choisi ce lycée-là parce que je ne voulais pas entrer dans un CFA normal ou avec des formateurs qui n'approfondissent pas les choses, qui restent sur des choses basiques. On est une structure aujourd'hui d'une vingtaine de salariés avec un secteur étanchéité et un secteur couverture. Tout au long de ces 18 ans, on a toujours été impliqué au niveau de la formation de jeunes apprentis, partant du principe que finalement, c'est nous un petit peu qui permettons à ces jeunes de pouvoir s'épanouir et à la profession, surtout de pouvoir aller de l'avant en ayant des jeunes qui soient qualifiés, diplômés, formés. Donc c'est toujours très agréable de travailler évidemment avec les CFA de la Fédération compagnonique, que ce soit CFA ou Institut de Mouchard dans le Jura. On a eu tout au long de ces 18 ans de collaboration la chance d'avoir 5 jeunes apprentis qui ont été médaillés d'or au concours des meilleurs apprentis de France, avec cette particularité évidemment d'avoir toujours des maîtres d'apprentissage et des formateurs d'ateliers qui sont vraiment une très grande qualité, très pédagogues, à l'écoute des jeunes et avec la possibilité évidemment pour les plus motivés de pouvoir partir sur le Tour de France, ce qui évidemment est une vraie satisfaction personnelle quand on voit un jeune qui s'investit à ce niveau dans sa formation professionnelle. Je m'appelle Armand, j'ai commencé mon apprentissage à Mouchard en 2010. Et donc là, j'arrive sur ma dernière année de Tour de France et mes projets pour l'avenir. Donc j'ai rattaqué en parallèle de ma dernière année de Tour de France une formation d'ingénieur dans le but de devenir ingénieur dans le BTP. Ici, nous nous trouvons donc dans l'atelier de charpente du centre de formation de Saint-Thibault-les-Vignes. Donc nous sommes en cours du samedi et les cours du samedi ont lieu à peu près à des fréquences de une fois toutes les deux semaines. Donc ces cours de samedi nous permettent de mettre en application les connaissances qu'on acquiert en cours du soir et donc de tailler des sujets à l'échelle 1. Donc les jeunes tracent leur épure au sol sur des panneaux d'OSB et ensuite rembarrent leurs pièces de bois pour ensuite les tailler et lever les sujets. Donc nous travaillons la plupart du temps avec du sapin et des sections à l'échelle quand même relativement réduite. Donc, moi, mon rôle ici, c'est d'accompagner les jeunes. Donc il y a 7 itinérants charpentiers sur Paris et donc je les accompagne dans leur formation comme je suis en fin de Tour de France. Donc nous sommes 4 compagnons itinérants à accompagner 7 jeunes charpentiers. Je viens de Nantes à la base. Ce qui m'a amené sur le Tour de France et dans la charpente, c'est un voyage avant tout. Je ne suis pas allé au lycée, mais je suis parti voyager dans la France pendant 2 ans.
Et c'est dans le sud que j'ai rencontré les charpentiers qui m'ont parlé de leur métier, qui m'ont donné envie d'essayer. Je suis donc allé à la FCMB de Nantes, comme ici, où j'ai fait ma formation pendant un an. Et après, je suis parti sur le Tour de France. Maintenant, ça fait 2 ans. J'étais à Annecy l'année dernière, cette année à Paris. Et on verra pour la suite. On peut tracer ici la coupe perpendiculaire. Et ensuite, on repart pour finir, phase D. Bonjour, je m'appelle Vincent Colombani et je m'occupe d'enseigner les cours du soir, lors des cours du soir, la charpente et les tracés. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est donc à partir d'une fiche de taille qui a été travaillée sur un ordinateur, de retracer sur le bois les différentes coupes de la pièce de bois. Et lorsque ces coupes seront réalisées, avec tous les autres, nous allons mettre les pièces de bois en commun et faire monter l'ouvrage définitif. Donc aujourd'hui, nous mettons en application là, tout ce qui a été préparé en cours du soir. Donc tous ces tracés ont été faits sur un ordinateur, en l'occurrence. Et à partir de ces fiches de taille, on retrace sur les pièces de bois qui vont être ensuite réunies. Chacun aura tracé sa pièce de bois et les pièces de bois vont être réunies pour faire un ouvrage complet. Moi, je m'occupe lors des cours du soir de l'organisation, de voir si tout se passe bien et d'apporter une cohérence à l'ensemble des enseignements donnés. J'ai fait l'école des compagnons, j'ai eu mon CAP, je suis parti. Ça, c'est ma 4e année. Moi, mon souhait, c'est de devenir compagnon. Donc voilà, cette année, je taille à réception. Et voilà, après dans la vie professionnelle, un jour rentrer chez moi et puis ouvrir ma boîte un jour, si possible. Voilà. Nous sommes ici dans un lieu totalement atypique puisque ce restaurant est à la fois le siège social des compagnons charpentiers. Vous le voyez à travers toutes ces maquettes qui sont représentées ici dans ces vitrines, qui sont des œuvres de nos jeunes qui font le Tour de France. Nous appelons Tour de France, c'est synonyme de voyage, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui se déplacent de ville en ville après avoir fait chacun une première formation, soit de type lycée, soit de type CFA. Donc ces jeunes ensuite nous rejoignent pendant quelques années et pendant leur cursus, eh bien, ils seront hébergés soit dans ce siège ici parisien, soit un petit peu plus loin dans la rue, aux 3 rue de l'Ourcq. Ce siège est particulier, je disais, parce que c'est le seul de France que nous avons gardé ainsi, tel que les compagnons au 19e siècle, début du XXe siècle, pouvaient rencontrer pendant leur tour de France, à savoir donc qu'ils trouvaient une auberge dans laquelle ils se sentaient bien et ils établissaient leur siège social au sein de cette auberge. Mais il a été aussi, lorsque s'est créée la Fédération compagnonique en 1952, le premier siège social de cette fédération nationale ainsi que le siège social de la fédération régionale. Nous avons à l'intérieur de cette maison eh bien, des itinérants qui vont d'ailleurs passer à table et qui prennent leur repas, tous ceux de Paris prennent leur repas dans cette maison le soir à 19h et ensuite comme à 20h ils ont des cours du soir, de 20h à 22h, eh bien, ils libèrent totalement la salle qui à ce moment-là est disponible pour le grand public. Là nous sommes dans l'arrière-salle qui héberge les plus grands chefs-d'œuvre des compagnons charpentiers des devoirs du Tour de France. Cette salle donc réunit des chefs-d'œuvre qui, à l'origine, n'avaient pas vocation de vieillir ensemble, puisqu'ils appartiennent aux deux sociétés qui étaient à l'époque concurrentes. Mais grâce à la fusion qui s'est opérée le 25 novembre 1945, ces chefs-d'œuvre, aujourd'hui, sont stockés dans cette pièce d'exposition et on peut admirer les difficultés de métier, empilées sur des difficultés de métier. Tout ceci n'est fait que pour prouver ce que l'homme peut faire en maîtrisant le trait de charpente. Souvenons-nous de tous ces hommes qui ont travaillé sur ces chefs-d'œuvre, car en toute simplicité, eh bien, ils furent grands. Vous pouvez faire en l'air.
Je travaille actuellement à l'entreprise Métier du Bois comme ouvrier. J'encadre actuellement aussi les cours du soir pour les jeunes sur le Tour de France. Le but de la soirée étant de leur expliquer comment s'organiser, comment travailler plus efficacement dans l'entreprise par le biais de petites vidéos et par le biais de ces sujets, on arrive souvent à dériver sur d'autres aspects du métier, comme on parlera des appels d'offres, on parlera des délais en entreprise. Ça permet d'élargir tout ce qu'il y a en plus du métier qu'on ne voit pas forcément, la gestion, la relation avec les clients, la relation entre ouvriers, comment appliquer une méthode de management, enfin différentes choses qui permettent de travailler aujourd'hui dans un univers qui change assez rapidement avec tout ce qui est numérique et toutes les nouvelles façons de travailler. J'ai demandé de partir sur le Tour de France. Ça a été accepté, du coup je me retrouve sur la Cannes de Paris. En même temps, dans le compagnonnage, je recherchais l'entraide, je l'ai trouvée, et aussi le savoir. Donc pour ceux qui viennent sur le Tour de France, c'est pour apprendre des méthodes de travail, des techniques, voir aussi de nouveaux horizons, sortir de son village. Et aussi, les compagnons nous apprennent à aimer son travail. Donc voilà, l'amour du travail bien fait. Des affreux reptiles, des chats, des rats, des éléphants. Et donc aujourd'hui, moi, mon rôle au sein du siège de Paris, c'est comme moi sur le tour, on m'a enseigné tous les soirs les cours avec les jeunes, etc. Aujourd'hui, notre rôle en tant que compagnon itinérant, c'est de faire la même chose, de retransmettre. C'est-à-dire que tous les soirs, on est là pour aiguiller les jeunes. Et nous aussi le mot de rouleur. Rouleur, c'est en gros le responsable un petit peu de la vie au siège, bien sûr avec l'aide des anciens, des compagnons charpentiers et autres. Et autres anciens aussi, autres compagnons. Donc c'est pour ça qu'il y a un mouvement. Il y a plusieurs responsables. Les compagnies itinérantes sont responsables des jeunes aujourd'hui au sein des sièges.